D'inauguration du groupe Willy Media, les locaux du groupe Willy Media, nous ambecté à contentement Dalal Si Kinga Hamanteni, moi gouverneur de région Omar Mamadou Baldé, def ñu mbecté nangul ñi tamet ñew présider li nga xamanteni moy cérémonie bi gouverneur de la région mang lay nuyu di le ziar jere jeuf suñu mbokk wa Willy Media di len delo nuyo bi di donc bok ak yenn ñeuk sante yalla julli ci yonent bi ni ngeen ko waxe tay bëss bu mag la d'abord pour le groupe Willy Media bëss bu mag la pour la presse régionale de Tambacounda bëss bu mag la pour région de Tambacounda yépp donc ñu ngi sante yalla ci ni suñu paysage médiatique enrichirou et enrichissement de qualité lool motax ci touru délégation bima andal nga xamné ñu ci ragné monsieur le préfet du département ñu and ci aussi ak ay chef de service ñi nek Tamba yépp heure bi kenn manké wul ak suñu yenen am di jam ñongi d'abord balu akwa Tamba yep mangi félicité monsieur le gouverneur de la région qui nous a honoré depuis le début de son arrivée à Tambacounda. Il nous encourage et nous voyons aussi qu'il encourage toute la population de Tambacounda devant toute action de développement. Aujourd'hui chez nous, cet organe de presse, c'est un organe qui doit participer au développement de la région de Tambacounda et du Sénégal. Nous pensons que c'est en mettant un peu notre grain de sel dans l'environnement ou dans le grand bol du développement de Tambacounda que notre région va se développer. Et aussi, en respectant toute la déontologie professionnelle, mon équipe et moi vous donnons la totale certitude que cet organe n'est pas un organe pour attaquer ou pour carrément déroger la déontologie professionnelle.
Donc je félicite tout le monde et je remercie tout le monde de ce grand sacrifice que vous avez fait. Nous tous, nous savons que en ce mois béni de Ramadan, se déplacer à l'heure du Ndougou, il faut vraiment un grand sacrifice. Et ça, vraiment, je vous en remercie énormément. Et je crois que l'espace médiatique à Tambacounda est en train de s'agrandir et de la plus belle des manières. Tout à l'heure, quand on a visité les locaux, c'est du matériel de haute technologie qui sont disposés dans les différentes salles. Et tous ces gens qu'on a vus, tous ces jeunes, c'est des jeunes de Tambacounda. Et monsieur le gouverneur, tout à l'heure, a parlé de la jeunesse, l'emploi des jeunes, c'était ces derniers temps le débat. Et aujourd'hui, Boumoudou Boïdialo, en tout cas, est en train de jouer sa partition. Parce que tous ces jeunes qui sont là, nous les avons vus aussi à Izeta. Monsieur le gouverneur, j'ai la chance d'avoir été au moment où la section télé était en expérimentation, d'être la personne qui avait été la première à être invitée. Et quand je vois la caméra woman, je ne la vois pas dans la salle, elle était toute petite. Elle était toute petite, elle était en apprentissage et c'est elle qui manipulait la caméra. C'est pour ça, chaque fois que je la revois, je me renvoie encore dans le passé pour dire que véritablement Boïdialo a fait un excellent travail et je pense que c'est un exemple qu'il faut montrer au niveau de la nation, au niveau du chef de l'État, pour qu'au moment où on doit fêter les champions, que Mamadou Boïdialo se soit fêté. Et parce que nous sommes sûrs qu'avec ce médium, à équidistance, tout le monde pourra s'y retrouver et tout le monde pourra jouer sa partition. Donc, monsieur le gouverneur, nous vous confions, monsieur Boïdialo et son équipe, nous vous confions Izeta en général, nous vous confions Weli Media en particulier pour que ça puisse aller de l'avant parce que c'est un médium bon, c'est un médium qui pourra satisfaire les Tambacoundois en général, les Tambacoundois en particulier, mais d'abord la sous-région. Tamba avec les départements environnants, Tamba avec les pays limitrophes. Nous espérons, nous croisons les doigts, nous prions Allah qu'il fasse que Weli Media, qu'il fasse que Izeta soit un outil qui fera plaisir à toutes ces localités-là. Je vous remercie, monsieur le gouverneur. Merci.